Bonjour, bonsoir, chers spectateurs. Selon mes salutations, dépend de l'heure à laquelle vous suivez. Si c'est ici aux États-Unis, il est 16h20 et à travers le monde, vous nous suivez. Shalom, shalom. Je ne vais pas passer toute l'émission avec le masque. Je vais tout simplement vous rappeler que nous continuons à être témoins des ravages de COVID à travers les États-Unis et à travers le monde. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous intercédions aussi pour cela. C'est une maladie comme toute autre, la crise de COVID, Corona, c'est un virus comme tout autre. Et ça fait partie de ce que Dieu a dit, que l'homme sera au-dessus de tout ce qui bouge, de tout ce qui se meut sur la terre. Les microbes aussi bougent, donc l'homme a l'autorité sur cela. Bien que le médecin soigne, le vaccin prévient, mais nous, enfants de Dieu, nous croyons à la guérison. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé notre émission, qui ont appelé notre numéro de téléphone, le numéro que vous voyez juste là, celui-ci. Vous pouvez appeler comme les bien-aimés ont appelé, et il y a beaucoup de cas de guérison. Nous ne prétendons pas terminer l'épidémie dans le monde entier par une courte prière venant de nous, mais nous croyons à la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous croyons à l'amour de Dieu qui guérit ses enfants, qui prie nuit et jour. Alléluia. Père, bénis mes frères et sœurs qui sont connectés maintenant, qui veulent suivre ta parole. Nous voulons rester dans la Bible, nous ne voulons pas communiquer nos propres pensées, nous voulons, Seigneur, proclamer ton évangile et ses mystères ont déjà été révélés par le Saint-Esprit. Laisse-nous le temps de proclamer avec puissance et avec efficacité. Que quelqu'un soit béni aujourd'hui à travers cette émission. Bénis le studio qui nous accueille de Congo Promo. Bénis nos bien-aimés qui sont branchés au nom de Jésus. Amen. Que je ne vais pas rester figé avec ceci. Je vous aime beaucoup. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui sur le thème que vous voyez annoncé là-bas, le don de chasser les démons selon la Bible. Le don de chasser les démons selon la Bible. C'est ça que nous allons partager aujourd'hui en théorie et en pratique. Qu'est-ce que je prévois? Je prévois d'entrer dans la Bible, de lire la parole de Dieu avec vous et de vous entretenir, de vous expliquer sur la réalité de cet art-là, de ce travail-là, de ce ministère-là, de chasser les démons. Je pèse chacun de mes mots. Quand je dis art, ce n'est pas dans le sens des beaux-arts. C'est tout simplement la maîtrise dans un métier quelconque, la maîtrise dans une profession, la maîtrise dans une vocation quelconque. Il y a des gens qui ont vraiment maîtrisé ce travail-là de faire l'exorcisme, de chasser les démons. Nous y figurons par la grâce de Dieu. Et il y a aussi ce que je peux appeler le don de chasser les démons. Quelqu'un peut me poser la question, mais pasteur, dans la liste des dons, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a seulement 9 dons. Pourquoi vous dites aujourd'hui que chasser les démons, c'est un don? Non, il n'y a pas seulement 9 dons. Dieu n'a pas dit, la Bible n'a pas dit de manière exhaustive, il y a seulement 9 dons. Dans le livre de Romains chapitre 12, vous pouvez voir que la Bible parle de multiples des dons. Ici, on parle de diversité des dons. Alors, parmi les dons, j'ai donné le passage principal dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Dans la liste des miracles, parce que le miracle, c'est un don, d'après 1 Corinthiens 12, le don de faire des miracles. Alors, le don de faire des miracles, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà. Le miracle va accompagner celui qui croira. C'est-à-dire que parmi les croyants, Dieu va donner les dons de miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et chasser les démons, c'est un miracle. Pour le simple fait que vous ne pouvez pas voir un démon aux yeux nus. Vous ne pouvez pas vivre dans le monde des démons et être humain en même temps.
vous ne pouvez pas non plus maîtriser un démon si ce n'est par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Celui qui n'a pas Jésus, s'il enlève les démons, hein, mutu oyo asambe la raté. Oh, maman, moko asukolaka batu. Sokazana Yesu, tu sais que asukolaka, nandenge yamili momabe. Oh, mutu wana abikisaka ba malade, na kombo ya nani. Ce qui est la médecine traditionnelle, il faut ba plante médicinale wana et ça la musala na kati ya nzoto lokola ba artemisia lokola ba congo bololo lokola ba plante kaka ebele otoyebi et ça la bola mu na nzoto mais okomona mutu loboko ebukani ndeko mo azara na do ya kobiki sabato o ba bukana maboko asimbi simbi okaka pa muku etongami c'est comment ça c'est un miracle alors ce miracle là si c'est pas au nom de Jésus ezali suspect donc to lingi kola ki sa peuple de Dieu awa ete délivrance est commise partout. Ko bengana démon est commise partout. Ba prophétie est commise partout. Mais to lingi banso to tikala na kati ya maloba na nzambe. Ko bengana démon selon la parole de Dieu. Aucune église ba melisio mafuta. Na Bible za esikani. Aucune église ba melisio ba mai. Aucune église ba komi ko tongola. Aucune église ba pesio liboka mungwa. Aucune église va pécio baji, va pécio va pétrole, aucune église va pécio masangu, do ezani ni penza. To lingi ko tika la kaka na makomi ya Biblia. Alors na kati na makomi ya Biblia, to lingi ko tala Bible bini ni par rapport ya délivrance. Alors yambo ete tokoba na malakisi oyo na ba enseignement sur le don de chasser les démons selon la Bible. Donc o senga na régie et tinde la biso exemple ya service moko ya délivrance na salaki na ville ya Rio de Janeiro na quartier moko ba bengi Villa Isabel pembeni ya stade Maracana esika ro appelé azako beta ndembo na zalaka na États-Unis na zana ngai mwana Kinshasa menangolu ya Nzambe na zwaki mako apesa ngai don pour na ko benga na milu mabe ko sala ba service ya délivrance. Yango ba invita kangai na bamboka ebele nde na video bokotala nazaki invité na Brésil na Rio de Janeiro nazaki ko sa ba service ya délivrance bokoyoka mwa ba portugais ba to ba bi portugais bokolandango nde na sima ya element oyo to koti na enseignement na biso basé sur Marc chapitre 16 verset 17 à 18 to sengi na régie ingénieur Rafungindu lelo ye moko mutu azozwa soin ya musala na nzambe tozo sala ye moko ba travailler à studio le loté ye moko penza mutu azali ko sale la biso musala o tozo travailler na lelo ensemble ingénieur Raf otin de la biso bilili ya Brésil pour na délivrance ya mboité tokoba na malakisi pendant que Jésus chikuro agora why is that? What the problem? Huh? She cannot walk? She can sit down? Since when? Mais she won't. Now. Are you aqui mesmo? Please, Pastor, explique-moi. Qu'est-ce qu'on dit exactement? Elle est venue à l'église normale. C'est un problème spirituel, c'est tellement. Mais maintenant là, c'est. Non, le esprit est trop. Le esprit, yes. Ok. Oh, yes, in the mighty name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. May the fire of the Holy Spirit Santo. Come upon this girl. Por essa garota. From head to toe. Da cabeça aos pés. And the fire consume. E que o fogo consuma. The seed of the enemy. E toda a semente do inimigo. You demon of confirming. Você é demônio que está consumindo. Get out of her life. Saia da vida dela. Faz que o corpo dela possa retornar. This pastor in the Pia, como estás? Bem? Ok, stand up, levante. Está normal agora. Aleluia!
raise your hand. Tell her to raise her hand. Where is your microphone? Okay. That was an attack of the enemy. Then we needed to pray. In the mighty name of Jesus. I call upon the fire of the Holy Spirit. All over your body. Todo seu corpo. From head to toe. Da cabeça aos pés. May the fire consume. Que o fogo te consuma. Every seed of the devil. Toda doença do diabo. Fire! Toda doença do diabo. Fogo! Fire! Fogo! Okay, please. Let that be mine. Let me ask a question. Who are you in this body? No nome de Jesus, eu clamo pelo Espírito Santo. Eu mando para sair da vida da minha irmã. Deixa ela. Eu oro pela sua cura. Espíritos ruins que são responsáveis por essa doença, eu mando vocês saírem. Saia do corpo dela. Saia do corpo dela. Pegue essa doença e vá. 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 No nome de Jesus. E que a paz de Jesus volte à casa dela. Seja liberta de todo ataque. No nome de Jesus. Pelo corpo todo dela. Espíritos ruins que são responsáveis por isso, eu expulso vocês para saírem agora. Saia do corpo dela. No nome de Jesus, de toda bruxaria contra a sua vida. Todas as palavras ruins eu cancelo. E todas as práticas da bruxaria, todos os sacrifícios que foram dados pelos espíritos para pegar a sua vida, para destruir a sua família, eu mando sair no nome de Jesus. Seja liberta. Espíritos ruins. Spirit of witchcraft. Espírito de bruxaria. Saia da vida dela. No nome de Jesus. The mighty name of Jesus. Get out. Todas as coisas ruins que tenham vindo sobre a sua vida, saia da vida dela. Espíritos ruins, saiam. Na autoridade do nome de Jesus, vão. 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 No nome de Jesus. A puissance do mal. Toda a presença do mal. Venant de Macumba, d'autres sources, d'autres choses, je chasse, nós sois libéré. Nós liberamos agora. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sois libéré. Nós liberamos. Que le feu du Saint-Esprit, tem o poder do Espírito, consume les mauvaises choses. O poder do Saint-Esprit, que le diable a amené dans ta vie. O diabo que não tem. Sois libre. Seja libre. Sois libre. Seja libre. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que le feu consume. Que o fogo consuma. Toute semence de l'ennemi. Toda semente do inimigo. Sois libre à jamais. Seja livre. E nunca mais volte. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. L'esprit a pu sortir. Sort. Saia. Sort. Saia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
fogo, 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 fogo. Le feu, criez-vous ensemble le feu.
Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus
Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Ça, c'était des services de délivrance que nous avons effectués respectivement dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Et la toute dernière vidéo qui s'en est suivie, c'était la ville de Lille en France. Nous voudrions vraiment vous montrer que la façon dont les services de délivrance se passent au Congo, ici aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit en France, c'est la même chose. Les démons ne respectent pas la couleur blanche. Il y a des démons possédés des blancs. Il y a des démoniaques noirs. Il y a des Indiens. Toutes les races sont... La Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. Le malin, c'est tout un empire. Le diable en tête avec sa cohorte de démons. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, la Bible dit qu'il était chassé, mais... Un tiers des étoiles, hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anges déchus, il y a des catégories d'esprits. Quand vous lisez dans le livre d'Éphésiens, quand vous lisez les Colossiens, il y avait d'abord les autorités, il y avait les dignités, et ensuite vous avez les esprits méchants, les principautés, les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le monde, invisible, dans le monde spirituel. La Bible nous parle de ce don, de cet art, de ce ministère de chasser les démons. Vous m'excuserez si je dis art, veut dire il y a un téléspectateur anglophone que je vais enlever qui insiste. Hello Peter, let me call you back. When I finish preaching, thank you. Donc, nous avons la capacité, nous chrétiens, de discerner les dons, c'est-à-dire le don de miracle dans lequel vous avez plusieurs diversités. Il y a des gens qui ont
le don de guérison. La guérison en soi, c'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Je voudrais dire une chose à mes frères et sœurs chrétiens. Ce que le Seigneur Jésus a dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça. Dès que tu crois en Jésus, tu commences à chasser les démons, tu commences à guérir les malades, tu commences à parler en langue, tu commences à imposer les mains. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une liste des dons. Il y en a qui vont chasser les démons, il y en a qui vont parler en langue, il y en a qui vont imposer les mains aux malades, ceux-ci seront guéris, il y en a qui auront deux ou trois dons, il y en a dont le don ne se figure pas dans Marc chapitre 16. Les dons du Saint-Esprit, si vous voulez dire combien de dons le Seigneur va-t-il nous donner par le Saint-Esprit? D'abord, ce sont des dons que le Seigneur donne. C'est une capacité que le Seigneur donne. Et vous n'aurez jamais rassemblé tous les dons à vous seul. Une seule personne a eu la capacité de réunir tous les dons spirituels possibles. C'est l'homme Jésus-Christ. Bien sûr, Fils de Dieu, bien sûr, l'Éternel. Il est descendu, le Père éternel, le merveilleux, Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand il est devenu homme, il a réuni aussi tous les dons avec lui. Donc il avait les dons d'évangéliste, il avait le ministère d'évangéliste, de prophète, de docteur, de pasteur et d'enseignant. Prophète, docteur, évangéliste, pasteur et apôtre. Jésus était tout cela. Quand on en vient aux dons spirituels, les dons de parler en langue, les dons de parole de sagesse, parole de connaissance, le parler en langue, l'interprétation des langues, tous ces dons-là se retrouvaient réunis dans l'homme Jésus. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas avoir tous les dons spirituels. Chacun a un don particulier. Il y en a aussi qui ont des dons qui ne figurent pas dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais un peu lire les quelques dons que la Bible mentionne ici dans l'épître de Paul au chapitre 12. Regardez. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. D'abord, les dons nous sont communiqués ou conviés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend les dons spirituels, bien sûr, invisibles, et dépose en nous. Quand tu me vois là, tu ne peux pas dire directement « il n'a pas de dons » ou « il a des dons ». Il n'y a aucun moyen que tu puisses le savoir. La seule possibilité de savoir si quelqu'un a un don, c'est lors de la manifestation de ces dons-là. N'avez-vous jamais vu un pasteur écrit « venez recevoir la guérison miracle ». Vous allez à la campagne ou au séminaire ou dans sa prédication, du début à la fin, aucun miracle. Parce qu'il n'a pas ces dons-là. Ce n'est pas seulement la volonté. Et ne dites pas, je vais jeûner pendant 40 jours pour guérir les malades. Parce que d'abord, guérir les malades, c'est un don. Est-ce qu'on peut avoir un don en jeûnant pendant 40 jours? Donc, vous n'avez pas le don de chasser les démons et vous jeûnez seulement 40 jours pour chasser les démons. Ça, ce n'est pas comprendre les Écritures. Ne pas comprendre les Écritures. C'est un don. Il y a des gens qui ont le don de prophétie. Il peut voir l'avenir. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui je suis venu recevoir vos prophéties. Si tu n'as pas ces dons-là, personne ne recevra aucune prophétie, même si tu jeûnes pendant 100 jours. La prière n'engendre pas les dons. C'est seule la volonté de Dieu qui décide et qui donne le don à quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez, on amène les gens qui ont des démons dans les églises. Les gens qui sont malades, parfois, il est fou. Non pas parce qu'il a fait un accident, les nerfs.
sont brisés, non pas parce qu'il a une condition génétique qui touche le système nerveux, mais seulement parce qu'il y a des démons, il y a la malédiction, il voit des esprits, il est visité par le monde des ténèbres. Alors une personne pareille, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas seulement parce que vous êtes chrétien, vous allez évertuer de chasser ces démons-là si ce n'est pas votre don. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit ceci. Au verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'esprit. Voilà, il commence le don de parole de sagesse. Le don de parole, à une autre parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi. À un autre, le don de guérison. À un autre, le don d'opérer des miracles. Opérer des miracles, c'est un don. Alors, alors que chasser les démons, c'est un miracle. Vous voyez? Dans Marc 16, en mon nom, voici les miracles. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est un miracle. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un miracle. Ils prendront le breuvage mortel. C'est un miracle. Il n'y a pas quelqu'un qui a les dons de prendre le breuvage mortel et ne pas mourir. Il y a seulement les dons de miracles. Si tu as maintenant le don de miracles, pendant que tu vas opérer, il y aura la capacité de chasser les démons, soit la capacité de guérir les malades, soit on verra en toi quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire, vous prenez un breuvage mortel, ça ne vous fait rien de mal. C'est un miracle. Ça peut arriver à celui qui croit. Donc, ce n'est pas à tout le monde. Et nous voyons ici, la Bible dit, au verset 10, hein, 1 Corinthiens 12, verset 10, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. La prophétie, c'est un don, ce n'est pas un ministère. Si tu prophétises, tu n'es pas devenu prophète. Les quatre filles de Philippe avaient le don de prophétie, mais elles n'étaient pas des prophétesses. Quelqu'un peut donner la parole de connaissance, c'est-à-dire dire ce qu'il y a dans la vie de quelqu'un, des choses cachées. Cela ne veut pas dire que tu deviens prophète. Un jour, je prêchais la parole de Dieu à Oregon, dans l'état de dans la ville de Portland, à Oregon. Et une maman, elle n'était pas congolaise, elle m'a invité à la maison pour prier. Elle disait qu'elle voulait une prière pour sa famille. Nous sommes entrés avec le pasteur qui m'a accompagné, et elle est de l'Afrique de l'Est. À la maison, quand on priait, quand nous sommes entrés, je dis « Bénissons le Seigneur ». C'est moi qui dirigeais cette prière. « Homme de Dieu, prions. » Je dis « Bénissons le Seigneur ». J'ai levé les deux mains et dit « Seigneur, Lord, we come to you. We lift up this house in your hand, this family in your hand. Bless them, the time we'll spend here. » Je priais que le temps que nous allons passer ici soit avec nous. Oh, cher Saint-Esprit, moi je prie souvent comme ça. « Holy Spirit, do whatever you plan to do today. We submit ourselves under your authority and guidance, and so on. » So, je dis, nous prions pour pour que tu sois notre guide. Fais ce que tu as planifié de faire aujourd'hui. Pendant que je priais, c'est comme si on avait ouvert une télé. J'ai vu un garçon avec un sous-vêtement comme des prostituées en train de danser. Il s'est déshabillé. Il était déjà en sous-vêtement et il s'est déshabillé comme quelqu'un qui s'apprêtait pour les rapports sexuels. Ça, c'est dans ma vision. Et j'ai arrêté la prière. J'ai dit, « Lady, I don't know what's going on in your family, but this is what I saw. » Alors, j'ai dit, « Je ne sais pas ce qui se passe, mais en priant maintenant, voilà ce que je vois. » Alors, il a crié. Elle a dit, « Merci Seigneur d'avoir envoyé cet homme, parce que mon fils est homosexuel. » Je dis, ok, on va en parler, continue à prier. Nous avons continué à prier.
In the mighty name of Jesus, I drive out all the unclean spirit from this house. May this house be submitted under the authority of Jesus Christ of Nazareth, our Lord and Savior. Holy Spirit, lead us. Je prie encore là. J'ai vu une fille qui était aussi en sous-vêtement, qui se déshabillait et cette fois-ci qui dansait nue devant les gens. Alors, je dis, wow, this is what I see again. La maman a crié encore. Elle dit, homme de Dieu, voilà la raison pour laquelle je vous ai amené dans ma maison. Ma fille, elle danse, elle est danseuse, elle danse nue dans les bars. Je suis perdue, je suis chrétienne. Mon fils homosexuel, ma fille danse nue dans les bars. Alors, je suis très dévasté. Je prie pour mes enfants qui sont perdus comme ça. Ces enfants ont grandi dans l'école de dimanche. Mais voilà, en devenant des personnes adultes, voilà ce qu'ils font. C'est comme ça qu'il m'a amené, elle m'a invité à la maison. Sans me dire ce qu'elle avait comme problème, le Seigneur m'a ouvert les yeux et je vis. Ce don-là s'appelle parole de connaissance. C'est un miracle. Parole de connaissance. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 8. Parole de connaissance. C'est différent de discernement des esprits. Discernement, si je vous donne des témoignages ici, la différence entre parole de connaissance et discernement des esprits, un autre jour. Alors, ça, ce n'est pas la prophétie. Si Dieu te montre la vie cachée de quelqu'un, tu commences à parler, même si tu donnes son numéro de téléphone, même si tu donnes son... C'est parole de connaissance, ce n'est pas prophétie. Et il ne faut pas te faire appeler prophète. Un prophète voit l'avenir. Vous voyez ce que Daniel a vu? Vous voyez ce que Jean a vu dans l'Apocalypse? C'est ça le travail des prophètes. Ce que tu vois là sur la vie de quelqu'un, c'est une parole de connaissance. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer. Ce sont des choses que tu ne connais pas, que tu vas dire, et la personne à qui tu parles doit attester que c'est vrai. Il y a des gens qui donnent de fausses paroles de connaissance. Oh, ton nom c'est André. Il dit non, non, je suis Philippe, je ne suis pas André. Oh, je vois le Seigneur me montre dans votre famille, il y a une certaine Cécile. Non, 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 on n'a pas de Cécile dans notre famille. Oh, peut-être chez les camarades, non, j'en ai pas une. Vous commencez à déplacer les localisations des prophéties. Alors, le don de chasser les démons n'existe pas dans cette liste de manière littéral, comme ça, on dit « don de chasser les démons ». Ministère de délivrance, ça, on n'a jamais écrit dans la Bible « ministère de délivrance ». Mais qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que quand Jésus a dit dans Marc 16, verset 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc, en mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons fait partie des dons de miracles. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, celui qui chasse les démons, c'est celui qui a reçu de Dieu la capacité, le don surnaturel de chasser les démons. Si Dieu ne t'a pas donné ce don-là, même si tu jeûnes pendant 100 jours, tu ne vas chasser aucun démon. Il y a une différence entre prière d'intercession et exercice de don. Quand quelqu'un est malade, vient à la permanence, l'Église jeûne et prie pour la personne. Ça, c'est ce que nous vivons dans Actes des Apôtres. Chapitre 12, verset 5. Pierre était en prison, l'Église ne cessait de prier pour lui et il est sorti de la prison. Ça, c'est fait. L'Église peut prier pour quelqu'un qui est malade. Mais si tu n'as pas le don de guérir, même si tu as toute la bonne volonté, Jésus avait dit à mon nom, nous imposons, tu vas faire ça et la fièvre ne va quitter personne. Oh, mais tu veux dire que pour prier, il faut avoir un don? Non. On peut demander à Dieu toutes choses. Et si Dieu exauce ta prière, c'est un miracle. Mais il y a des gens qui ont le don de miracle. Si c'est lui qui fait cette prière-là, la chose arrive. Parce qu'il a un don pour ça. C'est comme quelqu'un qui a le don de prêcher, le don de la parole. Il ne fait pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'études, même s'il n'est jamais allé en théologie, il va bien prêcher. Il y a des gens, même s'il a un doctorat en théologie, il ne saura pas prêcher, parce que ce n'est pas son don. Vous voyez? Donc, le don spirituel, on ne peut pas imiter. Je vous dis, le diable peut imiter les dons, mais il n'imite pas le fruit du Saint-Esprit. Il peut imiter les dons, et les choses arrivent dans le négatif. Vous voyez, dans Actes chapitre 16, il y a une femme qui avait l'esprit de Python, mais elle a donné une parole de connaissance.
On dit, cet homme-là, ces hommes que vous voyez, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent la voie de Dieu. C'était Paul et Silas, le jour où on les avait arrêtés. Parce qu'ils ont chassé l'esprit de Python de cette femme-là. Pourquoi ils ont chassé? Pourquoi? Parce que Paul avait le don de miracle. Il avait le don de chasser les démons. Le don de chasser les démons est inclus dans le don de miracle. D'après Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voyez, je ne veux pas dire qu'on a écrit « don de chasser les démons », « don de délivrance ». Ministère, ça n'existe pas. Mais celui qui fait des services de délivrance ou celui qui chasse les démons, il a le don qu'on appelle don de miracle. Et si quelqu'un n'a pas seulement le don de miracle, mais il est serviteur de Dieu, ministre de Dieu, avec spécialement ce don, c'est ça que la Bible appelle dans 1 Corinthiens 12, verset 28, ceux qui ont le don de miracle. Regardez avec moi. Et Dieu a établi, c'est-à-dire, il a donné, il a choisi des gens pour le ministère. Établi, comme il a dit dans Jérémie chapitre 1, verset 1, il dit, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Ce mot-là, établir, c'est rendre quelqu'un ministre, donc faire de quelqu'un un serviteur de Dieu. Voilà, ce n'est pas seulement, maintenant ça quitte le niveau de don des miracles, mais un ministre de Dieu en charge de délivrance, en charge de guérison. Donc, il fait le travail de Dieu spécifiquement dans ce sens-là. Donc, il est ministre de Dieu, mais il est connu comme ministre par rapport à ces dons-là. C'est pourquoi, vrai ou faux, on nous parle des gens comme Bénin, on nous parle des gens comme Tibi Joshua, on nous parle de beaucoup de Catherine Kuhlman, qui étaient des ministres de Dieu, mais spécifiquement connus pour le don des miracles. C'est ça ici. Oh, mais c'était un simple don, il n'était pas ministre de Dieu. Oui, on peut être ministre de Dieu en charge des miracles. Oui, c'est biblique. Regardez, dans 1 Corinthiens 12, 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, donc ministre de Dieu dans l'Église, premièrement des apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ce sont des ministres de Dieu. Ok, je m'arrête ici. J'aimerais que la régie nous donne une dernière vidéo de délivrance. Après cette vidéo, nous prions et puis je vous bénis, nous nous séparons. Regardez le don de chasser les démons que le Seigneur a déversé en nous. Voici la preuve. The healing is here. The deliverance is here.
the blessing of God is here. The message, of God is here. The prophecy is here. And the fire, is here. In the name of Jesus. Somebody scream, amen. Thank you. You may be seated. In the name of Jesus, everything that is not of God, tudo que não é de Deus, in this body, nesse corpo, I call upon the fire of the Holy Spirit, agora, from head to toes, da cabeça aos pés, be filled, seja liberta, be filled, with the presence of God, pela presença de Deus. In the name of Jesus, no nome de Jesus. Deixa lá no chão. Hallelujah. Meu Deus, curado, milagre. What is miracle? Que é milagre? The miracle is the answer of God to your problem, to your question. O milagre é a resposta de Deus para o seu problema. The solution of God. A solução de Deus. The answer of God. A resposta de Deus. The way God is showing His love and compassion to your situation. Isso é Deus mostrando amor e a compaixão. After the deliverance, depois da libertação, she opened up. Ela abriu, se abriu. And we went to destroy the temple of Macumba. E nós fomos para destruir o templo de Macumba. Okay, in the name of Jesus. Be set free. Seja liberta. From everything that you've been practicing. Tudo que você praticou. Fire! Fogo. In the name of Jesus. Fire! Fogo. From head to toes, fire! Pés, fogo. Fire! Fogo! Fire! Fogo! Okay, paralysis. Yes. In the name of Jesus. No nome de Jesus. I cast out the enemy. Eu expulso the demon of infirmity. Os demônios. Of infirmity. Da enfermidade. To leave your body. Para que saia do seu and corpo. Be set free. E seja liberta. In the name of Jesus, unclean spirit, I cast you out. Out, from the power of Macumba. Do poder da Macumba. And may your marriage be a blessed marriage. E seja abençoada. Bênçãos no casamento. Be set free. Seja liberta. Fire! In the name of Jesus. Fogo no nome de Jesus. Fire! In the name of Jesus. Fogo no nome de Jesus. Get out! Sai agora. Fire! Fogo no seu corpo.
From head to toe. Da cabeça aos pés. Fire! 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 Fogo! Fire! Fogo! Get out, demons! Saia! Get out, demons! Saia! I cast you out! Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci. Bande Kalingala, Obomoniwana, Ezali, Misala, Zambe, Asali, Nanzana, Biso, Délivrance, Tobon, Deliko, Bengamilou, Mabe, Ezaki, na ville, ya. Moko, ba ville, ya Brésil, Nagasi, na San Paulo, na Brésil, Moussoto, Zaki, na Rio de Janeiro, na Japeri, Bisika, Ebele, Bomoni, Bilil, Moussoussou, Ezali, ya. Au total, il y a Lille, Namboka, France, Mosusu, na Mexique. Nzambe a Zali, Likolo, Yabikolo, Binso. Kindo, Kinamona, Bamboka, mais il y a Mexique, Bandeko, Oana, Somo. Ba Sambe, la Ranzambe, moi, comme on a la Santa Muerte, donc la Sainte Mort. Mokufi, mon Santo. Donc, Abimé, la Rabat, tout Bandaku. Batiara dessin na esqueleto moko boyena robe ya molai lokola ba bilamba oya ba Superman me ya mwindo sikawa ya za skelet ba kisi ya makashi na kuti papa moko kuna akimanda ko parce que moi si moko azai ko ka ko swana na muninga bina ko botola wo mobali na yo na ko sala ba kisi ya bite ngana sambela ko uzwanga te ya sala pe kisa botola yo mobali otuna wapi ba priere na yo omoni elakisi ba priere msusu za laka. Yozo sambela bitumba wane lekiyo elekiyo benga bato bazana don ya ko benga na ba demo ba ko écraser ba misala wana. C'est pas tout le monde qui chasse les démons, c'est pas tout le monde qui va faire face na ba fétiche amakasi ya banganga lokwa ba makumba wana bomona ki dernièrement tout ça de délivrance ya nganga na Brésil. Mutunyo sote nde a côté lema abanda obenga na ba démon, il faut za na likabo wana na ngolu wana ko uta na Nzambe. Alors, yo mutu poza na don, kota na bosantu, vie de prière, sainteté, pe okomo na likabwana e fungwami. Pona ba oyo, obengama na ministère wana, oza na encadremente, ozo luka ba mentor, ozo luka ba coach, ozo luka ndenge nini na théorie na pratique, nous sommes disposés à partager le peu d'expérience que nous avons. Ngai, na soukisite, na yekolara toujours na zamba papa spirituel pe o batila nga maboko de tout récemment nga la zala nga muta frère mes frères a message te mais tango vie baruti ayaki azo sala ba service abenga mwana na on me l'a présenté chez son beau fils passé papi mbote en passant alobi na ngai je sais que nzamba za ko utiliser yo kenda kabisike bele na monde nga pe na banda musalo ya avant. Je vais prier pour vous. Non, pourquoi pas, papa? Sambela ponanga, sambeli ponanga. Moi, j'aime recevoir des hommes de Dieu qui ont l'expérience, qui ont la connaissance. Na domaine où nazako évolue, na lingarape, koye kole pa baninga msusu. Je suis à un certain niveau, le ki msusu bazana se bazomo na comme na niveau mon obo. Ngape na omona ki, eza ba niveau msusu. Niveau tolo ba te lo kwa bataba magi. Tozo lo ba expérience ya musala, connaissance ya parole. Maîtrise dans musala ozo sala to yekolara au jour le jour na théorie na pratique ndengo landi matea oyo soki yo ozali na likabo ya délivrance ozana don wana onanu oyebi ko exercer malamu te to ozana ba difficulté okoy ko benga biso po to partager yo poza maladie ozana na besoin ba sambela obika oza omona ba milio mabe ba lien ya famille ya ba malédiction ona luka mutu mwazana don sambela ngai. Je me présente pas comme ngai wana nazana don délivrance na pesi bino kaka quelques vidéos botala que na lobi na en conclusion ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force, ce n'est pas mes propres techniques, ce ne sont pas non plus mes nombreux jours de prière et de jeûne au cosa la 100 jours ya jeûne peut obenga na ta démon mon côté mais ngata msusu na cosa la kaka jeûne partiel kobanda tongo na lété ti 14 na sali service à délivrance ya makasi na bondela bata maboma babika na bondela bato dans le coma ba telema na bondela ba vegle ba mona ba paralytique ba tambola ba obaloba te baloba dans tout cela nazata na crédit mon côté ça ne vient ni de ma sainteté ni de ma vie de prière ni de mes jeûnes. C'est un don de Dieu boye baka opérer les miracles, c'est un don de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12
verset 8 et l'obibongo. Tokobonde là. Na kombo na Yesu, yoza maladi bika, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Seigneur, na bande ko bazali kolela, bazana COVID, azali atteint, a kanis espoir esili. Ne kwate kuta ki na ba précondition, kuta ki na ba diabète, kuta ki na ba malaria, kuta ki na ba condition mususu ya ba pema. Ozana bonbon siko sokozo landangai, au son de ma voix, par la grâce que Dieu a déposée en moi. Par ces dons de miracle que Dieu a déposé à moi. Et ça, là, il y a que la puissance du Dieu d'en haut. Par Ésaïe 53, verset 5. Par le meurtrissier de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Disant ces barrières, tu es. Ndenge na zo bonde lawa. Nzamba zo biki so soza kondima. Bande comme souba benga balanda ki prière de la même manière que yo. Bazo benga ka po na témoignage. Yamba guérison na kombo na Yesu. Ésaïe 53, verset 5. Eko ki samana bon mwena o biki sama au nom de Jésus. Ba demo bazo tungi saba tika bon mwena yo. Ola la pongi ya malamu. Ba chene katana. Na prière na zo sala. Ata so ki oko landa matea oyo après 5 ans, après 20 ans. Soko kotala Congo promo olobi onatala oyakala mais soki oyoki mungongo oyo au son de ma voix tika Saint-Esprit a activé guérison na nzela prière oyo na pomo inayo délivrance na pomo inayo au nom de Jésus sozala kondima yamba yango la prière est éternelle car l'esprit qui exauce la prière est éternel ata soko yoki na retard ata soko ki après 2 jours Fukama, zala na kondima, ndima ete nga na zo sambe la po na yo, yo pe zo sambe la po na yo moko, nzamba lobi, soki deux personnes ba yo kani, na mokili yo kosenge loko akosala. Na sengi deja po na yo, omi sengi la po na yo, yamba délivrance, yamba guérison, mona miracle na nzambe, ba porte funga wa liboso na yo, business nye kende liboso, malade tikabomo na yo, prison eze sika na ote, hôpital eze sika na ote, nzamba tombo la olisusu, Poto sale la inasera moi, yamboto tika mokili oi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Avant de quitter la planète Terre, vide-toi en servant Dieu avec force et énergie qui te donne une très bonne santé, forte et parfaite pour le servir. À toi seul la gloire, Jésus. Merci pour ce moment merveilleux de partage de ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait au Brésil et en France. Et ailleurs, c'est ce que tu continueras à faire dans la vie de mon frère et ma sœur qui sont sous le son de ma voix maintenant en train de croire à tes miracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apôtre Pyrénée Ikota à partir à Dallas, de Pamboli, Congo Promo. Naba studio kitoko o atelibiso poto sa msa na nzambe to pambolo bisiko zali contribuer na ministère oyo soko lingi ko supporter biso na eloko songolo na don ya ko supporter ministère na mbongo na nyoso nzamba chakati na yo numero yango oyo soki olingi to bonde la pona yo oya bipai to zali to biso to ya bipai yo zali On peut s'arranger. Il y a plusieurs méthodes. Il y a Moussala Togoy Kosala. Ceux qui ont un déco na yo à Fandaka Awa na Dallas, Tindaye na All Nation Church, numéro Yangoyo. Ceux qui ont Bossani, Lukaka na Congo Promo, Apôtre Pyrénée. Donc, Ali, qui ont changé bâtiment na Bissoya Église à partir de dimanche le 15. Dimanche, il y a lobby. Après demain, donc, Ali, qui ont bondé là na Hearst pour na bandeko yo, Balingi. Qu'on rejoindre Bisso, Ezali na 431 Ulysses, ok, Bedford Ulysses Road 431 Bedford Ulysses Road na Earth zip code Ezali 76053 Obungi adresse benga numéro Oyo poete omona atasoko beti kombo na ngai kaka apôtre Pyrénées, à tout petit anglais, Apostle Pyrénées, au Komona, bah numéro, bah nini, site web, Ekobima, topé Facebook, topé YouTube, Lukabiso, au Komona adresse pour Oyarosambe Anabiso. À la fin de ce mois de novembre, jeudi Mukola Thanksgiving, qui nous a fin du mois, dimanche il y a le 29, Tokozala, na séminaire, na conférence, Komona Ngo Destiny Conference, Bongo Awa na Congo Promo, beaucoup zoa. Ba publicité, beaucoup zoa invitation, bo rejoindre Bissot. COVID ezo permettre te ke ba invité na Bissot ya Kinshasa
na ya Europe bazwa visa pona koya so ki oling koya e ke ozala makoki au comme États-Unis arrange-toi nous pouvons t'héberger nous pouvons t'accueillir ozala ville mususu États-Unis oling koya conference o ya Destiny Conference to kosala ba service à délivrance yaka to ya mbayo dans un bon côté na kana ticket ki taka na aéroport ya DFW to kozoyo en charge na compte ya ministère na biso Zambé Azana Bino, Botika la Malamu, prochainement, donc vendredi, Ekoya, Netokutani. Bye bye. Yes, 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 yes
mana Yesu na tumune swale. Bawela tango, bawela tango, bawela tango, bakuga na malita. Bawela tango, babo mane ba para. Bomo mana Yesu na tumune swale. Ebi saba papa, ebi saba mama. C'est la bénédiction de l'Éternel qui